Bah c'est vrai que c'est une vraie surprise hein, pour les huitièmes de finale, on ne s'y attendait pas. Et finalement, le Maroc a réalisé un exploit en se qualifiant pour la première fois pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On sait qu'il y a des liens spéciaux entre le Maroc et la France, donc on a tous envie de voir cette affiche entre deux équipes qui se connaissent bien, avec des entraîneurs français des deux côtés, un entraîneur Hervé Renard qui a entraîné aussi au Maroc. Donc ce match, il réunit tout pour être passionnant pour les Marocains et pour les Français. Je pense que sur le terrain, ils vont pas se faire de cadeaux, mais voilà, ça va être une vraie affiche, une belle affiche, et on est impatients de voir ça. C'est une super affiche déjà, il faut le voir comme quelque chose d'exceptionnel pour nous les Français, parce qu'il y a une forte communauté évidemment marocaine en France, et c'était quelque chose d'inattendu, on ne s'attendait pas à voir le Maroc à ce niveau-là, donc ça va être une grande fête du foot, mais en même temps sans se faire de cadeaux, parce que c'est vrai qu'on a Reynald Pedros qui est allé marche par marche. Quand il a gagné le premier pas, il a dit c'est une victoire historique. Et puis il s'est dit on verra bien ce qui se passe, on va déjà nous faire le travail, on verra ce qui se passe de l'autre côté. Là il se qualifie, il a de toute façon rien à perdre, donc il va tout tenter, il connaît les joueuses par cœur. Il a la chance d'en avoir entraîné comme Andy Renard, Eugénie Le Sommer, mais il les connaît évidemment toutes par cœur. Il sait comment gagner, il a cette culture de la gagne, il a gagné évidemment les championnats, les Ligues des Champions avec l'OL. Il a pris cette équipe en novembre 2020, il fait un travail exceptionnel, la finale de la CAN, la qualification pour la Coupe du Monde, 8e de finale. Donc méfiance quand même, vraiment méfiance pour les Français, mais ça va vraiment être une grande fête du foot.